Ici, nous formons vos futurs collaborateurs. Pour le CAP agent polyvalent de restauration, il faut sortir de 3e. Travailler dans les cuisines de restaurants d'entreprise, les cafétérias, les cuisines des hôpitaux, des cliniques, des collèges, des lycées. Le contact avec les clients, la variété des postes occupés et le service rendu aux autres. Ici, nous formons nos futurs collaborateurs. Donc, pour travailler dans une carrière, c'est pas compliqué. Il suffit d'être titulaire de son CACES, le certificat d'aptitude, la conduite en sécurité, qui peut être passé dans tous les centres de formation professionnelle. Donc, les avantages, regardez, vous êtes dans un environnement naturel, la nature est respectée. Ici, tout est fait pour que la nature reprenne les droits à la fin de l'exploitation. Ensuite, vous avez la possibilité d'utiliser des engins que vous n'utiliserez pas dans d'autres carrières, ni chez vous bien sûr, à part les jouets de vos enfants. Ici, nous formons nos futurs collaborateurs. Travailler aux espaces verts, il y a plusieurs possibilités. Donc on peut faire un apprentissage ou rentrer par la voie normale dans un lycée agricole ou horticole. L'apprentissage, c'est pas mal. On est à la fois chez le patron et en l'entreprise. Donc si vous imaginez travailler aux espaces verts, vous avez plusieurs métiers devant vous. Donc vous pouvez travailler en tant que paysagiste, donc faire vos conceptions de jardins, créer vos jardins. Vous pouvez travailler dans une entreprise d'espaces verts et faire des entretiens chez des gens, des entreprises et autres. Il y a aussi travailler dans une collectivité, être jardinier pour une collectivité, faire le fleurissement pour la ville, pour les gens. Et vous pouvez aussi être bureau d'études, donc travailler aussi avec d'autres collectivités, aménager les ronds-points, autres. Les avantages à travailler aux espaces verts, c'est aussi bien avoir du plaisir soi-même à travailler la terre et à construire quelque chose, à planter et à voir des plantes se développer. Et en même temps, on a la chance de faire plaisir aux gens qui sont autour. Ils peuvent profiter de notre fleurissement et on est content de pouvoir faire partager ça à tout le monde. Ici, nous formons vos futurs collaborateurs. La menuiserie est un domaine accessible dès la 3e. Donc après notre formation, on peut très bien aller chez un artisan et puis devenir à son compte, ou alors continuer dans une industrie et passer dans un bureau d'études et voir plus loin, pourquoi pas. Les avantages du travail en menuiserie, c'est de créer des objets, donner vie à des projets et travailler un matériau noble. Ici, nous formons vos futurs collaborateurs. Pour devenir pilote de ligne de production, il faut simplement faire une 3e. Tous les objets du quotidien sont fabriqués sur des lignes de production, donc il y a énormément de débouchés. On doit maîtriser toutes les nouvelles technologies, ce qui nécessite un recyclage permanent du personnel. Ici, nous formons vos futurs collaborateurs. L'orientation se fait au collège, à la sortie de la 3e. On peut s'orienter vers des métiers de technicien en concession ou dans les différents réseaux après-vente. L'avantage de travailler dans la filière automobile, on travaille sur des systèmes de haute technicité avec des outils de diagnostic complexes, de plus en plus complexes.
Nous formons nos futurs collaborateurs. Pour rentrer dans le monde de l'hôtellerie-restauration, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous avez la possibilité de la voie de l'apprentissage, donc très jeune, même à partir de la 5e, même à partir de 15 ans. Donc à partir du CAP, poursuivre BEP, le BP jusqu'au BTS et l'école classique d'hôtellerie-restauration où on peut rentrer directement sur un BEP, un BTH ou un BTS. De métiers vers lesquels vous pouvez vous tourner lorsque vous vous engagez dans l'hôtellerie-restauration sont vastes, puisque vous avez la partie réception, la partie chambre, la partie restauration et la cuisine. Donc sur la partie réception, par exemple, chef réceptionniste, sur la partie chambre gouvernante, et sur la partie restaurant, chef de rang, maître d'hôtel. Et vous avez des possibilités qui sont vastes, puisque dans nos métiers, vous avez de la restauration traditionnelle comme de la restauration de luxe. Bon, les avantages à travailler dans l'hôtellerie-restauration sont vastes. C'est un métier de passion. Il faut aimer le contact parce qu'il y en a énormément. C'est un métier de rigueur et où on aime rendre service. C'est vraiment un métier de service et c'est vraiment le point important de nos métiers. Ici, nous formons nos futurs collaborateurs. Pour venir travailler dans le monde de l'hôtellerie-restauration, vous avez deux cursus actuellement. Vous avez un cursus en alternance dès la 5e via le CFA, donc mi-patron, mi-école, qui donne accessibilité à un CAP, un BEP. Et vous avez après un cursus sortie 3e où vous pouvez directement rentrer à l'école hôtelière pour avoir une culture générale et après rentrer chez un patron. Voilà, donc il vous donne après des BT, bac technique, CAP, BEP. La filière du monde de la restauration aujourd'hui donne de différents accessites, le monde de l'événementiel, à l'international dans les grands restaurants, la cuisine française est quand même très prisée. On peut travailler dans les grands groupes, on peut travailler dans les restaurants gastronomiques haut de gamme, on peut travailler tout simplement dans un petit restaurant, dans une cafétéria, dans tout ce qui touche en fait le monde de la nourriture, c'est-à-dire tous les métiers de bouche sont ouverts avec une formation hôtelière. Que nous avons aujourd'hui dans la filière de l'hôtellerie-restauration, le premier avantage que l'on peut avoir, c'est de faire plaisir aux gens, de se faire plaisir. C'est un métier où on transmet notre cœur se retrouve dans nos assiettes, dans tout ce que l'on fait, et on fait plaisir aux gens. On est dans un monde de plaisir, on est dans un monde où on va faire découvrir des choses, on va sublimer des goûts, on va sublimer des anciennes recettes pour arriver à réjouir le palais de nos convives. Ici, nous formons nos futurs collaborateurs. Pour travailler dans le monde de la métallurgie, vous pouvez intégrer une formation dès la 3e, voire à partir de la terminale et au-delà en études supérieures. Si j'intègre la filière de la métallurgie, je peux être dessinateur dans un bureau d'études, technicien d'usinage ou technicien méthode. Je peux être aussi caluticien ou toute une multitude de choses diverses et variées. Les avantages de travailler dans la métallurgie sont tout d'abord le plaisir du travail accompli, mais aussi se former sur des machines de plus en plus performantes et des technologies de plus en plus évoluées, et en parallèle de travailler pour des industries comme l'aéronautique ou l'aérospatiale. Ici, nous formons nos futurs collaborateurs. Pour travailler dans le monde de la logistique, vous pouvez suivre des formations dès la terminale en obtenant un bac pro pour la filière professionnelle. Et vous pouvez même poursuivre par un BTS si vous souhaitez vous spécialiser, par exemple des spécialisations comme le transport ou la gestion de stock.
monde de la logistique est un monde assez vaste. Donc, vous pouvez exercer différents métiers, une vaste palette qui commence par le préparateur de commandes, qui peut aller même jusqu'au concepteur de plateforme, en passant par un poste d'assistant logistique ou responsable d'exploitation. Tout est possible. Les avantages à travailler dans le monde de la logistique, c'est que comme les postes sont assez variés, ça permet d'acquérir une bonne polyvalence, de travailler au sein d'une équipe dans un climat agréable et également d'acquérir beaucoup d'autonomie sur le poste. Ici, nous formons vos futurs collaborateurs. Travailler dans le monde de l'horticulture, nous pouvons faire un CAP, un bac pro après la troisième, ainsi que d'autres formations en apprentissage ou en lycée technique. Les métiers possibles suite à des formations horticoles sont des métiers de paysager, d'horticulteur, maraîcher, floriculteur, voire arboriculteur et d'autres métiers après par simple changement de filière. L'intérêt de travailler dans le métier de l'horticulture, c'est de travailler avec les saisons, au milieu des plantes, travailler en dehors des milieux fermés. Et effectivement, on peut trouver un aspect créatif aussi dans ce métier qui est formidable. Ici, nous formons vos futurs collaborateurs. Pour travailler dans le monde de l'hôtellerie-restauration, le métier est accessible dès la fin de la troisième. En travaillant dans les métiers de l'hôtellerie-restauration, vous pouvez devenir cuisinier, chef de rang, barman, réceptionniste, pâtissier, maître d'hôtel. Grâce au métier de l'hôtellerie-restauration, vous pouvez développer votre créativité, travailler des produits nobles, offrir du plaisir et éventuellement voyager dans le monde entier. Ici, nous formons nos futurs collaborateurs. Alors, pour accéder au monde de la métrologie, il faut avoir au minimum un bac plus 2. C'est accessible à tout type de formation, jusqu'à ingénieur et voire même chercheur. Alors, c'est accessible à beaucoup de métiers, tels que l'engineering, la qualité, la production, le service après-vente. Bref, il y a beaucoup de possibilités dans le monde de la métrologie. L'avantage de faire carrière dans cette filière, c'est d'être toujours à la pointe de la technologie pour la création de produits utilisés quotidiennement dans des industries telles que l'automobile, l'aéronautique, le médical, la ferronnerie, le ferroviaire et plein d'autres encore. Ici, nous formons nos futurs collaborateurs. Vous pouvez intégrer la filière chaudronnerie par le biais d'un CAP, d'un BEP, d'un bac pro ou d'un BTS. Le type de métier que l'on peut imaginer après cette formation, c'est la chaudronnerie, la tuyauterie, la soudure, la tôlerie. L'intérêt de travailler dans la chaudronnerie, c'est qu'on touche plusieurs domaines, l'agroalimentaire, l'aérospatial, le cosmétique, le médical, le tout en parfaite autonomie, ce qui est très valorisant. Ici, nous formons nos futurs collaborateurs. Pour intégrer la recherche et le développement, il faut faire une formation spécialisée.
Celle-ci peut être un diplôme de bac professionnel, un doctorat ou un diplôme d'ingénieur. Les différents métiers de la R&D sont chercheur en sciences appliquées, chef de projet qui développe les nouveaux produits, technicien qui organise les essais, technicien qui réalise les essais, et enfin technicien qui analyse et contrôle la qualité des produits. Travailler en R&D, c'est avoir la possibilité d'utiliser ses connaissances et son savoir-faire technique et scientifique, tout en exprimant sa créativité pour développer de nouveaux produits, tout en travaillant en équipe. Ici, nous formons nos futurs collaborateurs. Pour travailler dans le domaine médical ou paramédical, il faut généralement avoir plutôt son baccalauréat, filière scientifique. Sinon, il y a des formations plus courtes, accessibles, juste après le collège. Pour travailler dans le domaine de la santé, on peut soit avoir des médecins, des infirmières, des sages-femmes, des auxiliaires de puériculture, des aides-soignantes ou tous les professionnels qui gravitent autour des patients. Alors, travailler auprès des patients procure de la satisfaction puisqu'on a un service rendu aux patients, on a un état de mieux-être à leur sortie et on est dans la prise en charge globale de nos patients et de leurs proches.